Et paf, il est 8h30. Pure FM est une des 5 radios de la RTBF, la radio-télévision publique belge. Son cœur de cible vise les adolescents et les jeunes adultes. C'est un média branché à l'esprit jeune et dynamique, dont les programmes sont orientés vers la musique et la détente. Il est 9h04, je vous souhaite une belle journée. Avec l'évolution constante et rapide des offres de divertissement et d'information, il fallait à Pure FM un boost percutant pour continuer à s'imposer efficacement dans le paysage radiophonique actuel. Pure FM. Cette application permet d'écouter et de regarder Pure Vision sur n'importe quel device connecté à Internet. Le résultat est visible sur le web et c'est un boost qui bouscule le paysage radiophonique. Pure Vision était née. La volonté affirmée était de mettre un contenu complémentaire à disposition des auditeurs, de créer de la radio plus, de la radio mieux connectée, de la smart radio. Jusqu'à 9h, Snooze. C'est Snooze avec Vanessa Clack sur Pure FM. C'est mardi, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Pure FM. Il y a Sébastien Ministru, il y a Pierre Charette, oui. Il y a Greg Carrette, il y a Bouch Rabat et il y a... C'est pas tout ça, mais dans Snooze avant 8h30, on a encore Parachute Youth avec Can't Get Better Than This. On a encore le tout nouveau single des Killers et on a encore un tout bon épisode d'Into the Pure. Salut, c'est Brian de Placebo. Pure FM vous emmène au concert. Salut à toi. Hi Brian. Jeudi matin 3 octobre, merci d'être avec nous sur Pure FM. Il est 8h. Voilà le journal. Pas d'indemnité de départ pour un député qui quitte son poste sur base volontaire. La décision a été prise à la Chambre. Les autres assemblées du pays de Fraives devraient faire de même. On entendra Patrick Duprié, le président du Parlement wallon. Ça commence plutôt bien aujourd'hui. Encore pas mal de soleil. Un vent modéré mais beaucoup de douceur. 16 à 20 degrés. Ça va se charger de nuages à partir de l'ouest. L'ouest où on pourrait voir apparaître quelques gouttes. Des averses donc prévues en fin d'après-midi. Pure FM, mobile info. Eh ben, il y a pas mal de soucis ce matin sur la route. Il y en a même carrément beaucoup. Camion sur le flanc, sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. L'axe est fermé à hauteur des Hauts-Sarts. Kilomètre 94. Il y a plus de 8 km de fil. Il y a des répercussions sur le 25 aussi. Jusqu'à 9h. Snooze. C'est Snooze avec Vanessa Clack sur Pure FM. Kenny West. Qui...